Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter mon dernier cours, enfin terminé, Unity et Vuforia, comment utiliser la réalité augmentée dans vos jeux. Alors évidemment, je mets à votre disposition des coupons de réduction, vous trouverez le lien sous la vidéo et profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce cours est découpé en plusieurs parties. Une première partie va nous permettre de découvrir tous les composants de Vuforia, ce qui nous permettra non seulement de développer des jeux vidéo en réalité augmentée, mais aussi des applications. Vuforia est maintenant intégré complètement dans la dernière version d'Unity, ce qui ouvre beaucoup de perspectives parce que son utilisation est grandement simplifiée. Avec Vuforia, vous allez pouvoir projeter votre jeu ou des objets sur des targets, que ce soit un livre, une image ou même des objets, ici des objets de la vie réelle. Ensuite, nous réaliserons non pas un jeu, mais deux jeux. Le premier sera de type car parking. Vous allez devoir garer votre véhicule sur sa place de parking sans emboutir quelque chose. Ce qui nous permettra vraiment d'exploiter tout le potentiel de la réalité augmentée. Vous allez pouvoir tourner autour de la scène et voir si votre véhicule passe bien sans accrocher quoi que ce soit. Ce jeu utilisera un marqueur, c'est-à-dire une image sur lequel vous allez projeter la scène. Dans un second temps, nous réaliserons un deuxième jeu qui, lui, n'utilisera aucun marqueur. Vous serez le centre du monde et vous allez devoir shooter les ennemis qui vont se présenter autour de vous à 360 degrés. Ça nous permettra vraiment d'exploiter pleinement toutes les possibilités de la réalité augmentée avec Vuforia. Évidemment, autour de la réalité augmentée, on va aussi découvrir pas mal de choses, comme ici la création d'un radar dans le jeu. Alors, n'hésitez pas à utiliser le lien qui se trouve sous la vidéo. En tout cas, moi je suis heureux de vous présenter ce cours et j'espère vous y retrouver très bientôt.